Le passé des Amérindiens semble aussi impénétrable que la forêt amazonienne qu'ils habitent. Les Wayanas vivent aujourd'hui sur les berges de la rivière Litani, dans la Guyane française qui touche le Suriname. Leur histoire et leur mythe descendent des rives de cet affluent du fleuve Maroni depuis leur source, les légendaires monts Tumucumac, à la frontière du Brésil. C'est en remontant ce cours d'eau qu'archéologues et historiens tentent de retrouver les traces et de reconstituer la mémoire de ce peuple ancestral. Gérald de Mijon et Tristan Bellardi sont de ceux-là. Des scientifiques qui ont décidé de traverser l'espace et le temps à partir de Maripasoula, la commune la plus étendue de France, à la fois centre économique et carrefour culturel du sud-ouest guyanais, où se croisent les multiples ethnies et nationalités de la Guyane. Je suis archéologue en Amérique depuis 1980, et j'ai surtout travaillé au Mexique, aussi en Argentine, Nicaragua, Panama, dans d'autres régions, et en Guyane depuis une douzaine d'années, et sur les peuples amérindiens en général. Je m'appelle Tristan Bellardi, je suis professeur d'histoire géo au collège de Maripasoula et je travaille donc sur l'histoire à la fois bushinengue et amérindienne sur le Maroni. C'est ma spécialité au niveau universitaire. On suit tout l'historique des échanges entre Amazon et plateau des Guyanes à travers les âges. C'est un vieux flux d'échanges depuis au moins 2000 ans. Hein. Il faut aller voir sur le site si on trouve un peu de matériel qui confirme cette hypothèse. Et puis surtout, tu vois, ce qui était intéressant, c'est de revenir juste en aval sur Anapaïké, où là, tu es au pied d'une montagne couronnée, il y a des indices là avec un chemin qui monte. Bon, il y a peut-être des choses au-dessus du 21e siècle, mais au moins, il y a peut-être quelque chose à voir avec un fossé qui m'a été signalé par un orpailleur. Il est important d'être sur le terrain parce que ça permet de s'imprégner d'une ambiance, voire même de modes de représentation, de compréhension ou d'explication qui ne sont pas ni dans les documents écrits, ni même dans des rencontres que l'on pourrait faire, mais dans des temps beaucoup plus courts. Il faut aussi prendre le temps parfois d'écouter, et les clés qu'on n'a pas comprises à un moment, on peut les comprendre beaucoup plus tard en restant au contact justement de ce terrain-là. C'est là que commence leur voyage archéologique, à Aloïké, un village Wayana d'une quarantaine d'habitants. Le principal intérêt actuellement de l'archéologie, c'est le rapport entre l'homme et son milieu, et de voir au fil du temps différentes expériences qui ont réussi ou qui n'ont pas réussi, justement d'adaptation, parce que l'homme s'adapte toujours au milieu. Et cette année, on fait un travail sur l'histoire vue par les Wayana eux-mêmes et vue aussi par les scientifiques, puisqu'on est deux archéologues historiens à travailler dans cette zone. Nos deux scientifiques sont accueillis par Emmanuel et Charles, deux jeunes adultes natifs du village qui savourent dans des bols en métal le kashiri, une boisson traditionnelle légèrement alcoolisée, produite à partir du manioc. En arrivant, on a trouvé près des carbets, on a trouvé de la céramique. Qu'est-ce que ça vous dit, cette céramique? Vous la connaissez? C'est à qui? En fait, ça, c'est des poteries, là. Oui. C'est très ancien. C'est quoi le t'appelle très ancien? Ça, ouais. Je vois ça. En fait, vous en utilisez plus? Ta mère ici, elle en utilise pas? Non. Il n'y a plus de céramique là dans la cuisine maintenant. Donc c'est ancien. Ça a remplacé avec ça. Et ce village, il s'appelle comment ici? Village Aloïké. Regarde, j'ai une photo d'un Aloïké ici.
Est-ce que c'est celui-là? Ah bonjour, bonjour. Comment tu vas? Ah bonjour. C'est toi? Ah bah c'est toi. On parlait là avec les jeunes justement de certaines photos. Ouais. Et sur cette photo, il y a Aloïke, tu vois, avec Yanamalé. Ouais. Tu les connais toi ces gens? Oui, ça c'est mon grand-père, c'est Aloïke. C'est ton grand-père? Mon grand-père. C'est lui qui habite ici à l'époque. Le premier? Premier. Tout le monde ici donc est Aloïke? Oui, à partir d'ici. La partie d'ici. Il y a beaucoup de il a changé parce qu'avant c'était la rivière, c'était bon. Maintenant c'est Ropayès qui a pollué tout. Après c'est il y a toute la forêt, celle qu'on a voit à face là. Il y a pas beaucoup à forêt primaire. Avant c'était bien et on a voit d'animaux, on a voit tout. À cause de l'or, il y a tout changé. Tout a changé. Avant c'était beaucoup d'animaux qu'on va chercher de derrière au village là. On a trouvé pas mal d'animaux, pas mal de gibier. On a venu peut-être 20 kilos, 30 kilos, ça dépend. Avant c'était on a mangé de local. Avant c'était cochon bois. Avec pécari, tout animal qu'on a trouvé dans la forêt. Maintenant, on n'a pas trouvé d'animal comme avant. Ces civilisations du passé, elles ont un rapport à la nature que l'on aurait intérêt à bien comprendre. Nous, on a, les Occidentaux, on a un rapport à la nature qui est dénaturé, tant pis pour le jeu de mots, hein, c'est-à-dire qu'on bouffe la nature. Eux, ils ont un rapport à la nature dans lequel l'homme est dans un continuum dans la nature. C'est-à-dire qu'on passe de la pierre au végétal, à l'animal et à l'homme, et tout ça, c'est un continuum. Eux-mêmes sont dans la nature, ils ne sont pas au-dessus, à côté ou en dehors. Emmanuel et Charles travaillent pour une association et profitent de leurs loisirs pour se ressourcer. Il est difficile pour ces jeunes Amérindiens d'être au-dessus ou en dehors d'une nature qui vous entoure, vous avale et vous assourdit. Peu coutumiers de la forêt, ils sont initiés par leurs parents à quelques rudiments de survie, dont la connaissance des fameux arbres cathédrales, utilisés pour la fabrication des pagaies, mais aussi pour se repérer en forêt. D'une trentaine de mètres, ces géants aux feuilles épaisses ne laissent pas passer les réseaux des téléphones portables, rendus à leur simple fonction d'appareil photo. J'ai déjà parlé du bois cathédrale. Hein? Non, jamais. Non. Bah, à l'époque, bah, on l'utilisait quand on était perdu en forêt. Bah, je dis on. Je connais pas l'expérience de la forêt, mais ce qu'on m'a raconté, si on se perd en forêt, il n'y a pas possibilité de trier ou. Tu vois, tu peux être malade, angine et compagnie. Mm-hmm. Bah, tu prends un bout de bois comme ça et tu fais le maximum pour qu'on te repère en forêt. Du coup, tu fais du bruit. Et donc, pourquoi cathédrale? Ben, c'est par rapport à sa structure en fait, de base qui fait penser aux voûtes. Okay. Et donc, comment on fait? Donc, tu es en situation de détresse, tu veux te faire repérer à des kilomètres à la ronde. Ouais. Ben, c'est super simple. Prends un bout de bois comme ça, t'encourage à deux mains, tu tapes le plus fort possible. Voilà. Et au bout d'un certain temps, c'est sûr, tu te fais repérer. Et normalement, ça aussi, on peut c'est fait pour faire fabriquer des pagaies. Bon, on continue. Allez, les gars. Souvent considérée comme inhospitalière, la forêt amazonienne laisse aussi profiter de sa générosité.
de son temps comme suspendu loin de l'agitation des villes. Le voyage se poursuit vers les villages de Twenke et de Talwen, à quelques heures de pirogue. Ces deux villages d'une centaine de familles se font face sur les rives opposées du Maroni. Les Wayana ont longtemps été nomades. Depuis quelques décennies, la création d'écoles, de postes de santé, de points d'eau, et l'électrification des villages a contribué à leur sédentarisation. L'habitation de tôles et de planches d'Amaï Poti, le chef coutumier du village, que l'on appelle aussi Grand Man, jouxte le fleuve qui voit se succéder les générations. Le fleuve semble rythmer les activités quotidiennes de ces hommes et de ces femmes à l'apparence tranquille. À Talwen, Gérald, l'archéologue, est à l'écoute du dialogue qui se noue entre les Wayana et leurs ancêtres. Il va se renseigner auprès du peintre Aimawaleopoya sur le décor de la case collective appelée Tukushipan, un carbet communautaire qui sert de lieu d'accueil et de fête. Sa décoration symbolique, fixée depuis des siècles, fait résonner dans un décor cerné par la modernité la voix d'une ancienne sagesse. Salut Aïma. Bonjour. Comment ça tu va? Vas? Bien. Ça va très bien. Moi, je suis au Aïma. Résident ici, quoi, au village Talwen. Je suis né ici. On a créé ce village en 82 exactement. À l'époque, j'avais 10 ans environ. Et donc avec mon grand-père et mon oncle qui est décédé malheureusement, on a créé ce village. Ce que j'ai fait là, c'est un ciel de case. C'est comme ça qu'on l'appelle. Oh, chez nous, c'est Malwana. Hein. Donc c'est un art décoratif, quoi. C'est traditionnellement plutôt on dit que ça protège le village, la communauté et les villageois. Ça les protège de mauvais esprits, des mauvaises aventures, etc. Quand j'ai commencé à peindre avec mon grand-père, il me l'avait interdit parce que j'étais vraiment trop jeune, plus tard, je pense qu'il a décidé que je fasse. Donc petit à petit, je me suis lancé. Sur un ciel de case, il y a à peu près 25 motifs. Et c'est selon la taille du ciel de case. Là, par exemple, sur le mien, là, c'est un petit ciel de case. Chaque motif représente une légende qui dure à peu près 30 minutes, 1 heure. Quoi. Donc là, c'est le jaguar. Par exemple, là, c'est la chenille. Là, c'est le fourmilier, le tamanoir, la tortue. Tels sont les points cardinaux. Là, notre héros légendaire qui s'appelle Kaidawa. Mais pendant des petites fêtes, on parle justement du changement.
C'est ce qu'on appelle du changement. On a des termes pour devenir comme des blancs, on dit chez nous. C'est vrai que ça pose énormément de problèmes maintenant à notre jeunesse, notamment, qui veulent aller dans une autre mode de vie, qui ne sont pas les leurs. Et donc, ils ne savent pas, quoi. La vie des blancs, c'est une vie qui n'est pas née comme ça, quoi. C'est des civilisations et des civilisations qui ont bâti justement pour devenir comme ce que les blancs vivent aujourd'hui. Dans un village voisin, la tradition est assaillie par de nouvelles spiritualités qui cohabitent avec les récentes technologies. Pendant qu'un Wayana évangélisé répète un chant de messe sur son clavier, les enfants surfent sur les réseaux sociaux ou regardent un DVD de dessin animé occidental. Les Wayana, en tout cas, on a une tradition qui est très forte, mais qui peut disparaître demain, quoi. Parce que effectivement, il y a beaucoup de jeunes qui sont, c'est le terme, qui s'en foutent de la tradition, quoi, qui veulent plus faire, par exemple, des fêtes traditionnelles, qui veulent plus écouter leurs pères, leurs grands-pères. Voilà quoi, donc ils préfèrent jouer au bad boy. Ils s'habillent même, comme je disais, ils veulent devenir comme des blancs, mais ils préfèrent les modèles des noirs. Et ils veulent ressembler aux Américains noirs aux États-Unis. C'est ça leur mode aujourd'hui. Et donc les musiques qu'on entend, c'est souvent donc du rap, c'est plutôt américain. On entend beaucoup aussi la musique africaine aussi, qui sont beaucoup ici. Et bien sûr, brésilienne. Les choses évoluent très vite aujourd'hui. Il y a surtout le monde occidental qui s'est approché de nous. Les réflexions d'Aïma Wale semblent dérisoires face à la puissance du processus d'acculturation que vivent les Wayana. À l'écouter, on s'interroge. L'identité Wayana a toujours été marquée par des phénomènes de métissage, en raison d'une colonisation européenne qui remonte au XVIIe siècle et du long nomadisme de ce peuple le long du fleuve. Assiste-t-on pourtant à une accélération de l'histoire, entraînant une perte irrémédiable de la mémoire? Ces questions résonnent dans la forêt amazonienne qui semble indifférente. Elle est pourtant aussi concernée par les risques d'une transformation des rapports entre l'homme et son environnement. La forêt luxuriante s'ouvre parfois sur des espaces de culture temporaire que l'on appelle des abatis. Comme la plupart de ces clairières agricoles, celui de Marizo et de Lejo se trouvent à plusieurs kilomètres du village et constituent leur principal moyen de subsistance. Chamois à la bassine. Il leur permet de cultiver des plants de bananes et de canne à sucre, des ignames et surtout la tubercule du manioc, aliment principal des Indiens et utilisé pour la préparation de la fameuse boisson, le cachiri. Ici, ce sont les hommes qui abattent les arbres, coupent les fruits les plus hauts, et les femmes qui déterrent le manioc. Les scientifiques l'appellent le manio esculenta. Primitivement cultivé il y a 4000 ans en Amazonie centrale, cette racine fut apportée par les Arawaks et les Caraïbes. Mais malade.
Ce sont aussi les femmes qui portent les cargaisons jusqu'au village. La petite fille de Marizo la relaie lorsque le chemin du retour est trop rude. C'est en observant ces gestes quotidiens que les archéologues peuvent aussi reconstituer la mémoire des objets qu'ils découvrent et leur redonner vie. La culture du passé rejoint ici le présent dans ce qu'il a aussi de plus concret et de plus naturel. Le manioc est une plante cultivée en Amazonie depuis des millénaires. C'est la base nourricière à la fois pour les Bushinengue et les Wayana. Tout ce qui est lié au manioc, que ce soit des instruments, le type de culture, la bâtie, etc., c'est important. Les enfants, que ce soit ici ou ailleurs, hein, moi j'ai travaillé dans d'autres ateliers éducatifs en archéologie, sont toujours intéressés quand il y a quelque chose de concret et de matériel. C'est pour ça qu'on part du matériel en expliquant ensuite des processus qui sont liés aux objets. Cette râpe à manioc est précolombienne et on avait des citations de ce type de râpe dans plusieurs textes ethno-historiques du XVIIe siècle. C'est un exemplaire unique en Guyane et qui a été trouvé avec le travail fait sur la classe patrimoine du chantier archéologique de Maripasoula. C'est un moyen aussi de faire le lien entre les objets du passé et un quotidien des élèves qui peuvent connaître dans leur village, notamment sur la préparation du manioc. Aujourd'hui, la culture traditionnelle donne toujours lieu à une répartition des tâches. Les femmes manipulent les ustensiles et sont en charge de la cuisine, mais ce sont les hommes qui tressent. Pidima, le chaman du village, se charge du tressage à la demande des femmes, perpétuant à nouveau le subtil partage entre fabrication des outils réservés aux hommes et transformation des aliments réservés aux femmes. Et pour faire les dessins même sur la cassave. Et quand on n'a pas ça, les femmes sont, comme disait le monsieur, elles s'énervent comme ça. Elles veulent que ça soit comme ça pour être... voilà. Et pour les feux aussi. Gérald, viens bien voir. Avec les enfants, on a trouvé ça hier. Ah oui. Celle-là, c'est pas la même, tu vois. On dirait qu'il y en a une autre, là. Donc il y en a plusieurs. Ça, les teintes différentes? Non, mais même. Elle est... Elle n'a pas l'air pareille. Je sais pas. Oh, c'était un site ancien, ici. Les pluies diluviennes qui s'abattent fréquemment sur l'Amazonie rythment le quotidien, rafraîchissent et remettent à neuf la forêt, le fleuve, l'air et le ciel. Elles ponctuent les tâches journalières, mais n'interrompt pas toutes les activités.
Les jeux des enfants se transforment au contact de ces nouveaux venus dans le village. Intrigués par les recherches d'objets, ils vont contribuer au partage de cette passion. Oui, regarde, ça arrive. Fais voir. Ah oui. Ah, c'est des petits croisillons. Thomas a trouvé un peu par hasard une céramique. Les enfants nous ont vus. Ils ont aidé à laver. Et puis maintenant, ils ont eu l'initiative tout seuls de trouver d'autres céramiques. Et en plus, ils ont même trouvé avec la céramique une lame de hache. Une lame de hache verte. Hein. Très très belle pièce. Elle est belle, hein. T'as vu? Ça, c'est très ancien. Hein. Non, mais c'est bien. C'est peut-être les futurs archéologues guyanais que l'on a ici devant nous. Pour accéder au site des recherches, l'équipe doit franchir de redoutables remparts naturels. Reconnu pour sa navigation difficile, le fleuve est jonché de cascades et de sauts aux noms évocateurs, comme Nassau Dédé. Ainsi tu meurs. Tuti Apina, notre piroguier qui dirige à l'arrière, est attentif aux gestes de Monès, le tacariste, qui doit user de toute sa force et de son habileté à l'avant pour éviter au canot de heurter les rochers acérés et les bancs de sable importants lors des décrues du fleuve. Guyana actuelle est un petit peu connue par les anthropologues, mais le territoire actuel des Guyana n'est pas du tout connu du point de vue archéologique. À l'intérieur de la Guyane, pour des raisons logistiques que l'on connaît, est difficile d'accès. Donc il y a un grand intérêt anthropologique, archéologique, à savoir comment ont vécu les gens pendant des milliers d'années dans cette forêt. Après avoir affronté les dangers du fleuve, le piroguier et le tacariste se transforment en curieux et patients archéologues pour participer aux prospections. De nouveau, les découvertes vont permettre de reconstituer une mémoire inscrite dans les gestes de fabrication et d'usage des objets. Ah ben oui, ça c'est une ébauche, c'est une préparation de hache. Ouais. Un morceau de platine, tu vois, regarde, ce morceau-là, il est pas lisse, tu vois, ça c'est la partie plate, comme ça. Oula, une double hache. Une lame aussi, double hache polie. C'est juste un petit écart. On entend qu'elle est dans la plate, ça. C'est donc une hache polie à double tranchant. Vous voyez, les tranchants sont magnifiques. Donc c'est une pierre verte, elle est nommée comme ça par les géologues. Donc ces haches polies, donc qui étaient polies sur les polissoirs qu'on trouve au bord des rives. Bon, celle-là, je pense qu'elle est plutôt utilitaire et qu'elle servait. On la prenait comme ça. Et on coupait, on enlevait l'écorce, on enlevait, et à la fin, l'arbre était abattu. Donc après, elle est presque complète, hein. Ouais. Presque. Juste un petit éclat là, mais sinon, parfaite. Elle est belle, hein. Un bon état de conservation. Ouais. Le fond des rivières recèle beaucoup de matériel archéologique, jeté à l'occasion des décès, ou des offrandes faites au fleuve, ou encore emporté lors des crues noyant les villages. Mais l'un des paradoxes de la survie des objets archéologiques est que les orpailleurs permettent aussi leur récupération. Leurs énormes barges munies de suceuses ont une puissance bien supérieure à la main de l'homme. Elles n'en ont pourtant ni la délicatesse, ni la même éthique. Les objets qu'elles remontent à la surface sont souvent cassés par la machine. Leur recherche dans le sable aurifère de la rivière détruit les écosystèmes par le violent dragage des fonds du fleuve.
l'utilisation du mercure qui sert à amalgamer les pépites mêlées au sable, bien qu'interdite sur la rive française, est encore légale sur la rive du Suriname. Elle pollue l'ensemble du fleuve. La destructrice fièvre de l'or contraste avec la patiente enquête des scientifiques. Ils draguent le fond des rivières. Nous, on n'a pas les moyens en archéologie de draguer toutes les rivières de Guyane. Et ils remontent du matériel archéologique. Ils nous en ont remonté en bois, des haches complètes, donc on a pu dater. Quand c'est en bois, on peut dater. Ce site, il était plus ou moins localisé sur des cartes, grâce à la mémoire orale. On essaye de recouper par des indices différents. Hein, comme on dit, un seul témoin, pas de témoin. Donc là, on essaye d'avoir plusieurs témoins pour dire que l'on est vraiment sur un site ancien. Là, on est sur un site ancien. On a de la céramique qui n'est pas de la céramique de 200 ans, 300 ans. Cette céramique, elle est antérieure à la conquête européenne. Dans cette région, on a une occupation à peu près continue à partir de l'an 1000, depuis 1000 ans, avec peut-être des trous de temps en temps, hein, des hiatus, mais en général, c'est quand même qu'on continue jusqu'à la conquête, enfin jusqu'au 17e, 18e siècle. De retour au campement de Pidima, les pierres taillées et les tessons de céramique révèlent toutes leurs valeurs historiques et symboliques. Voilà, les habitants de Pidima et des alentours m'ont donné quelques infos sur des sites qui se trouvent en amont, sur le Maroni. Donc il y a quelques sites ici qui sont du 17e, 18e, 19e, que Tristan avait aussi en partie repéré avec les documents, mais il y a aussi des sites qui étaient habités depuis très longtemps, où de la céramique avait été trouvée. Okay. Donc, sur un des sites, regardez, on a ramassé ces différentes haches, un broyeur, une hache, une autre hache taillée, de la pierre taillée de différentes couleurs. Il n'y a pas ce style de pierre sur la Guyane. Donc ça, c'est la pierre typique qui a été échangée, qui est le fruit de route commerciale depuis le bassin amazonien. Ah ben, complètement. L'atelier de fabrication sur Santarém, c'était ce type de roche qui est utilisé notamment pour faire les murakitas, les petits pendentifs en forme de grenouille qui étaient vraiment... quelque chose de très très recherché, c'était l'équivalent de l'or pour les populations à cette époque-là. Quoi. D'accord. Et ensuite aussi de la céramique. Alors ce qui est intéressant, pour éviter toute confusion, c'est qu'on a de la céramique avec de la platine à manioc. C'est donc bien que ces gens étaient des cultivateurs, cultivaient le manioc et n'allaient pas... sans arrêt déménager d'un endroit à un autre. Il déménageait de quelques kilomètres, comme on a pu le voir sur quelques exemples que l'on a sur la carte. L'archéologie amazonienne, elle avance par trouvailles fortuites souvent et par petits pas. Donc cette pierre, c'est la première. Et c'est un premier pas, comme pour d'autres trouvailles. Et il en faudra beaucoup d'autres pour qu'on arrive un peu à comprendre le passé amérindien ancien. Les jeunes Wayana, comme Sergio, qui pose son filet sur le lieu des recherches, ont-ils conscience de s'inscrire dans une longue lignée de pratiques et de gestes ancestraux? Et l'environnement qui les nourrit survivra-t-il à la dramatique pollution générée par leur paillage? Là, j'ai mis mon filet de 30 mètres. Ça me permet d'attraper les bons petits poissons. Et ça nous permet de nous nourrir aussi avec la famille. Et je peux attendre le filet pendant peut-être
30 minutes, 15 minutes. Le temps que j'ai peut-être 15 ou 30 poissons. Si je pêche pas, je suis obligé d'aller chez les Chinois, chez les commerçants, quoi, pour acheter le poulet congelé et même acheter des boîtes de conserve. Des fois, j'ai pas le temps de pêcher aussi. Quand je travaille, je préfère aller au magasin, quoi. Mais si je travaille pas le jour, je suis obligé de venir pêcher, même aller à la chasse aussi. Ils ont dit que les poissons comme ça, ça propage trop de mercure, quoi. Les poissons carnivores, ça prend plus le mercure que ces poissons-là. C'est les docteurs qui nous disent ça. Si c'est les femmes enceintes, des fois, ils nous coupent un peu les cheveux pour voir le résultat. Et ils vont dans leur laboratoire pour examiner ça. Et ils vont voir si on a le mercure aussi. C'est plutôt les femmes enceintes. C'est un peu dangereux pour les enfants, quoi. Des fois, il y a les enfants naissent handicapés aussi à cause du mercure. Toujours en direction des mythiques Tumukumak, lieu légendaire de l'origine des Wayana, le jeune Sergio accompagne l'équipe sur le site d'un ancien village Kalina, aujourd'hui disparu. C'est son grand-père qui l'a initié à la connaissance de l'histoire et des mythes, dont celui des monts Tumukumak, les différentes ethnies amérindiennes, populations nomades, dont les Wayana en seraient descendus depuis des temps immémoriaux. Ce mythe, né au XVIe siècle, fut perpétué par le célèbre explorateur Jules Crevaux, qui partit à la découverte du monde au XIXe siècle. En 1877, l'une de ses explorations le poussa à franchir les monts Tumukumak. Il en revint persuadé que ces monts formaient le début d'une grande chaîne de montagnes. Ce mythe fut ensuite porté par Henri Coudreau, explorateur fasciné par les légendaires expéditions de son aîné Jules Crevaux. Derrière moi, mes ancêtres m'ont dit que c'est un ancien village kalinien. Il faudra attendre presque 70 ans pour que la vérité soit rétablie. Mais cette légende resta suffisamment ancrée dans l'imaginaire collectif pour apparaître sur les cartes jusque dans les années 1960. Mes ancêtres sont venus derrière le mont Tumutumak. Et après, on avait passé le mont Tumutumak pour venir jusqu'ici. Petit à petit, ils sont venus. C'est loin, le mont Tumutumak, mais ils sont venus quand même jusqu'ici pour faire un autre village. Et là, maintenant, là, on a chacun nos villages. Moi, je suis sur Pidima et il y a les autres qui sont sur Ontekoum, sur Talouen, Twanké. Après, il y a aussi ceux du Suriname, vers Anapaïke. Mais ici, ce sont que des Wayana. Les premiers récits de voyageurs qui en ont recueilli le témoignage ont immédiatement noté l'importance des mythes Wayana et de leurs rites d'initiation, tels que le maraké, qui consiste en un passage à l'âge adulte par plusieurs épreuves, dont celle de l'exposition du corps à la morsure de guêpes et de fourmis redoutables, enserré dans la vannerie utilisée à cet effet. Quand une personne fait un maraké, ça veut dire qu'on devient un homme, quoi. On devient un homme et travailleur qui est toujours en forme, quoi, qui se fatigue jamais. Tu es debout,
et la personne vient avec une cinquantaine de fourmis. Ils te font piquer sur, par exemple, sur ton dos, devant, mais doucement, sur ta cuisse, même sur tes fesses. Et là, il faut que tu résistes, il ne faut pas que tu pleures devant les personnes qui te voient, quoi. Après, tu peux pleurer et ils t'emmènent dans une petite cabane. C'est fait pour les TPM. Tu vas là-bas et chacun passe leur tour, quoi. Et là-bas, tu peux pleurer dans le TPM, mais devant tout le monde, tu ne peux pas pleurer, quoi. Et c'est ça qui est plus important, tu vois. Ne pas pleurer devant les gens, quoi. En tant qu'officiant du Maraquais comme les autres anciens du village, Léjo, dont nous avions visité la bâtie, conserve la vannerie à fourmis magnifiquement ornée de plumes. Léjo est aussi un joueur de la flûte décorée de plumes qui accompagne les chants du Kalaou lors des initiations et des fêtes. Traditionnellement taillée dans des os de biche, elle est maintenant constituée d'un simple tube de plastique richement décoré de plumes d'oiseaux. C'est la mémoire de cette tradition que Sergio souhaite transmettre à son tour. Toutes ces coutumes-là, je l'expliquerai à mes enfants, et même peut-être à mes petits-enfants. Le Maraquais, c'était la coutume pour qu'on devienne un homme. Et il ne faut pas que mes petits-enfants oublient ça, quoi. Des jeunes comme Sergio, aujourd'hui, qui a été capable d'être un guide d'éléments traditionnels, qui nous a montré, qui nous a fait partager ce qui lui tient à cœur et qui lui vient de ce que lui ont dit ses parents, ses grands-parents, c'est de plus en plus rare. Les jeunes, que ce soit aussi bien chez les Wayana, mais même plus aval chez les Bushimengue, sont tournés aujourd'hui vers un monde de consommation, de mondialisation, qui fait que ils n'ont plus forcément le temps de recevoir ce que la tradition met longtemps à transmettre. Et c'est aujourd'hui une difficulté qui peut aussi porter préjudice au sens qu'ils ont de leurs racines, à leur place qu'ils ont dans la société, l'espace qui leur entoure. Et il est important pour nous, finalement, de laisser ces traces à disposition par notre travail scientifique, de façon à ce que plus tard, d'autres générations aient envie de se réapproprier ce passé sans qu'il ait complètement disparu. Marizo, dès le retour de son abati, participe elle aussi à la conservation des souvenirs et compare les représentations des céramiques aux objets qui forment encore aujourd'hui son quotidien. Elle est l'une des dernières potières Wayana et connaît parfaitement leur décor. Magua sa kalipomi dikut sa sasinye sa kalipo sa. Son mari Leijo l'accompagne souvent en traçant les formes et les motifs des récits ancestraux. C'est ainsi que les appellations, noms d'animaux, de plantes et de déités revivent dans les symboles et dans les poteries qui illustrent le récit de la création du monde Wayana, dont l'une des figures centrales est la tortue. Les techniques anciennes, c'était de l'argile avec du dégraissant, donc du sable ou un petit peu de pierre, et ensuite un montage avec des colombins, avec des boudins. Cette potière utilise une autre technique. Elle tamise tout et elle recompose ensuite l'argile avec de l'eau. Et une cuisson dans un four en terre, enfin dans un trou en terre,
recouvert de branchages, après avoir séché quelques jours les céramiques. Non, c'est différent. Ce qu'elle fait, cette potière, c'est différent des traditions anciennes. En plus, elle n'a pas la même finition du tout. Elle a des céramiques qui se terminent par une couleur marron, on va dire, et tandis que là, on a plutôt des couleurs rouges, orangées. C'est Ai Maiwale, le peintre des ciels de Kaz, qui continue d'enseigner le passé, fragile échafaudage symbolique qui tente de combler les failles sociales créées par la modernité. Il était une fois chez les Wayana. Mais dans les temps très très anciens, quand les dieux a commencé à créer les hommes, la forêt et les milieux aquatiques. Il y eut des querelles entre les tribus qui mirent Dieu en colère. Il provoqua le déluge qui engloutit le sommet des montagnes. Plantes et animaux furent noyés. Femme de Dieu, une tortue qui s'appelait Akani, cacha sous elle, pour les protéger, les enfants du Dieu, qui se nommaient Umale et Eimopo, encore dans leur coquille d'œuf. Après le déluge, la tortue Akani voulut emporter les œufs d'Umale et Eimopo sur une nouvelle terre, plus lointaine. Mais arrivée sur l'autre rive, elle emprunta la mauvaise piste qui la mena au village des féroces jaguars. Les jaguars dévorèrent Akani, mais ses œufs furent sauvés par une grenouille qui les cacha sous une grosse poterie que l'on appela Ora. La grenouille les veilla pendant quelques jours, jusqu'à leur éclosion. Ce fut la naissance d'Umale et Eimopo. Enfants de Dieu, leur croissance fut rapide et ils se mirent vite à pêcher et à chasser. Une fois rentrés au village, leur grand-mère leur raconta comment les jaguars avaient tué leur mère tortue. Ils décidèrent alors de créer un nouveau village et construisirent un tukushipan. Après quelques jours, ils invitèrent les jaguars et leur famille à danser sous ce tukushipan. Puis, ils appelèrent la pluie qui s'abattit très fort et fit s'effondrer le grand carbet, engloutissant tous les jaguars. Umale et Eimopo transformèrent le tukushipan effondré en caillou qui devint un mont que l'on appelle Tumukumak. Ainsi, leur mère était vengée. Umale et Eimopo pouvaient désormais créer d'autres peuples, dont les Wayana. Ils tressèrent de l'osier en forme d'animaux et d'hommes, les transformèrent en êtres vivants pour repeupler la terre. Voilà ce que mon grand-père me racontait souvent à propos de la tortue. Et des enfants de Dieu. De tout temps, il y a eu des changements dans les cultures et la modernité a toujours été quelque chose qui a perturbé les sociétés traditionnelles. Mais le mot traditionnel, c'est un mot un peu fourre-tout. Victime des colons, des missionnaires, du prosélytisme, des maladies et d'un taux de suicide croissant chez les adolescents, les Wayana doivent maintenant faire face aux problèmes environnementaux.
Ils sont aujourd'hui à peine 2000. Et leur poids est donc bien faible face aux 8 milliards d'habitants qui peuplent la planète. Leur disparition aurait de lourdes conséquences. Non seulement pour cette partie du globe, mais parce qu'elle signifierait la perte d'une vision du monde et d'un rapport à la nature, qui parmi bien d'autres, fait partie d'une diversité et d'une richesse dont nous avons besoin pour comprendre notre monde, pour y vivre et pour affronter l'avenir.